une charnelle à moi. À partir de maintenant. Oh non, puis ça de Yahusha. Priez. Papa, tu es tout charnel à moi. Thank you, Abaya. Holy Spirit, kill every carnality in me. Every carnality in me. Kill it by fire. Thank you, Abaya. Yes. Yes. Thank you, Abaya. We worship you, Abaya. Thank you, Abaya. Abaya, have your way. Have your way. Yahusha. In my life, have your way. Adonai, have your way. Have your way. Yahusha. In our life, have your way. Holy Spirit, have your way. Have your way. Way, oh yeah, in our life, have your way. Holy Spirit, have your way in our life. Oh Yeshua, have your way. Abaya, have your way, oh yeah, in our life.
Levez-nous la voix. Appelle Yah sur cette la nourriture de Yah, le repas de Yah qui est devant nous là. Appelle le feu de cet esprit. Que le feu de cet esprit descende. Comme le jour d'Abraham, il a venu conjure ses sacrifices. Il a descendu conjure ses sacrifices. Que cet feu descende. Let us lift up our voice and call upon Yah. As we are in the presence of the Lord's Supper right now. We are in the presence of the Lord's Supper. To eat the Lord's Supper, invoke the fire of the Holy Spirit to come and consume this supper. Let Elohim descend with the fire to consume this supper. Let him be transformed and become Elohim, Yahusha, his body and his blood. Que cet repas se transforme et devenir la chair et le sang de Yahusha HaMashiach. Like the day of Abraham. When he prepared that sacrifice, the Bible says, and a fire, Elohim come as a fire and consume that sacrifice. Oh, Abba Yah, it is our. Abba Yah, it is our. Papa, c'est l'air, l'air de déjà arrivé. Abba Yah, l'air de déjà arrivé. Thank you, Abba Yah. L'air de déjà arrivé, Yahusha HaMashiach. Viens prendre charge. Viens faire cet repas que ça devienne toi-même, ta chair et ton sang. À travers de cet repas, que le feu du Saint-Esprit prend notre vie, prend notre corps, prend notre âme, prend notre esprit, prend tout ça qui nous concerne. Baptise-nous par ton feu. Papa, thank you. Thank you, Abba Yah. Thank you, Yahusha HaMashiach. We worship you, Lord. We reference you, Lord. We give you all praises. Thank you, Abba Yah. Thank you, Abba Yah. We continue with that song. Thank you, Abba Yah. Thank you, Abba Yah. Baptise-moi, Yeshua. Et quand tu lis Lévitique et tout, c'est partout. Alléluia. Concernant the Lord's Supper, you see it written everywhere in the scripture. Abraham himself did it, observe it. Alléluia. And Melchizedek gave him bread and wine. Abraham aussi, il a fait la même chose. Mais c'est Sédek, il a donné pain et vin. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Que le Yah soit glorifié. On va remercier Abba Yah. Avez-vous dit, il a pris cette pain. Il a remercié Abba Yah pour cette grâce et pour cette opportunité. Bible says, he take the bread
I lift it up to his father and I thank him and I bless it. Abba Yah, we give you all glory for what you have been doing since Friday. Friday to today, these 3 days, we have been in your presence crying and asking you to baptize us, purge us, and baptize us with the fire of the Holy Spirit. Abba Yah, te remercie sous ce que tu as de faire depuis 3 jours maintenant, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Que tu as été on a été de crier ta paix, on a été d'écouter ta parole, que tu nous puisses et nous baptiser avec ton feu du Saint-Esprit. Merci pour ça que tu as fait aujourd'hui, le troisième jour. Que ton nom soit glorifié. Maintenant, on veut manger ta chair et ton sang. Papa, je demande que tu transforme cette pain, que ça devienne ta chair. Papa, so I want to eat your body right now. As I lift this bread up unto you, Papa, transform it to become your flesh. In the mighty name of Yahusha HaMashiach, we pray. Amen. 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 Have your way, Yahusha. Amen. Il dit, ça c'est le coup de niveau alliance. Alléluia. Que Alléluia soit glorifié. The cup of new covenant. It's a powerful mystery in it. One of the day I will take of that teaching also. We go deep into it. Il y a un grand mystère dans cette coupe. Un jour, par la grâce de Yah, je vais rentrer dans cet enseignement. Je vais nous enseigner le mystère dans cette de niveau alliance. Alléluia. Amen. À la grâce de Yah. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Tout chose que Yah il a fait, il y a des symboles. Il y a le symbole de ça dans les scriptures, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et dans son paradis. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Il continue de nous réveiller, révéler les choses profondes. Quand tu continues d'aller avec Yah, quand tu te réveilles, il est illimité. Ça qui veut dire, sous-moi, prends ta croix, sous-moi. Dieu a encore plein de choses à vous dire. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il a dit, non? Amen. Dieu a encore plein de choses à vous dire. Dieu a plein de choses à vous réveiller. Prends ta croix, sous-moi. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Abba Yah made us understand, he said. You see, there's mystery also behind that that cup of new covenant. One of the day, by the grace of Yah, Yah will give me opportunity, I will go deeper into it. The more you go with Yah, the more he gives you deeper revelation. That's about our Abba Yah. He's illimited, unlimited Yah. Hallelujah. He's full of mystery. That's why I said, carry your cross, follow me. I still have many things to tell you. But until you follow me sincerely, I'll begin to reveal things deeper and deeper unto you. May his name be glorified. Papa, I lift up this cup unto you. Priez sous cette coupe de nouveau alliance. Papa, sanctifiez, bénis cette coupe. Comme on va prendre cette coupe, on va boire. Papa, je déclare. S'il y a quelqu'un qui est ennemi a déjà déclaré que quand il touche cette coupe, il va recevoir la condamnation. À cause de ton sang, à cause de toute ta parole, à cause de tout ce qu'on a été fait depuis 3 jours, à cause de ton esprit, le baptême de feu que tu as déjà relâché sous nous, je déclare que toute cette condamnation soit effacée au nom puissant de Yahusha HaMashiach.
Si y a parmi nous que l'ennemi a déjà déclaré que quand il prend ça, que tu vas mourir, je déclare que à partir d'aujourd'hui, cette déclaration devient la vie sous la personne, au nom puissant de Yahushua Amashia. Si y a parmi nous, comme ils ont déjà dit, que quand tu bois ça, tu vas tomber sous maladie, je déclare la guérison totale. Au nom puissant de Yahushua Amashia. Have your way, oh, have your way, Yahushua. In our life. Amen. Donc c'est le fait qui nous fait être différents. Alléluia. Amen. Quand tu reçois cette fée, tu ne vas parler comme n'importe qui. Tu vas imiter ton papa, Yahushua HaMashiach. Alléluia. Amen. Tu vas commencer de parler comme ton papa, Yahushua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas perdre quelqu'un. When you receive that fire, you begin to speak like Yahushua HaMashiach. Not like your pastor. Hey, c'est pas comme ton pasteur. Non. Tu ne peux pas imiter quelqu'un. Tu ne peux pas imiter quelqu'un. C'est pour cela qu'ils ont dit de dire, tu ne prêches pas comme MFM. Comment je vais prêcher comme MFM? Alléluia. Amen. MFM, il ne m'est pas appelé. Alléluia. Amen. Aha. J'ai imité celui qui m'a appelé Abaya, Yahushua HaMashiach. I cannot imitate MFM, I cannot preach like MFM because MFM did not call me. He that called me is Yahushua HaMashiach and it's my father. And it's the one that said I should carry my cross and follow him. And that is the one. When you receive the fire of Holy Spirit, you begin to speak like Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Amen. This is his blood. Was this on Sam, but not man? Hallelujah. Amen. Thank you, Abaya. Quelqu'un aide-moi à lire encore. Parce que les gens avaient écouté le dernier, le 3 juillet, il va dire, parce qu'on n'est pas même utilisé, il n'est pas utilisé un verse. Dit la personne de retourner dans la première partie, deuxième partie, là on a utilisé beaucoup de verses. Alléluia. Amen. Donc le troisième là, c'est Chocho. Alléluia. Amen. Et la personne retournée dit, première partie, deuxième partie, allez écouter les verses. Alléluia. Amen. So, somebody might say, but this Patrick, he did not use verses, he did not quote, he did not make this one. He said, yes, tell the person, go to part one, part two. I spent time in breaking chapters and verses there. Alléluia. Amen. There's a lot of verses there. So, today is show. You must receive the fire. Alléluia. When you hear the word now will transform you. Fire will come. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Yah, la première jour la parole, deuxième la parole, maintenant le troisième, maintenant, cette parole va te, il va maintenant provoquer le feu de Yahusha. C'est ça que nous sommes là. Alléluia. Pour démontrer et pour recevoir cette feu. Alléluia. Aide-moi pour la Saint-Saint, lis Matthieu 26. Alléluia.
à partir de 26. Matthieu 26. We are reading Matthew 26 from verse 26 for the Lord's Supper. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Yeshua prit du pain. As they were eating, if you read from back, if you read, it's even good to read from verse 1, read all earlier. C'est bien pour lire Matthieu 26 à partir de verset 1, lis tout. Il y a beaucoup d'enseignements dedans, mais à cause de notre temps, on passe seulement le 26. Mais à la maison, il y a beaucoup d'enseignements dedans. There's a lot of teaching there. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. On a déjà fait ça. Prenez et mangez-en, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, on a déjà fait ça. Il la leur donna en disant, que son nom soit glorifié. Buvez-en tous. Alléluia. Verset 28. Alléluia. Car ceci est mon sang. Le troisième. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est son sang. Le sang de l'alliance. Le sexe sang, c'est pas le sang de n'importe quoi. C'est le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. When it comes now to the wine, he said, this is my blood. The blood of the new covenant. Qui est répandu pour plusieurs. Répandu pour plusieurs. C'est pas tout le monde. Tu as vu? Il n'est pas dit pour tout le monde. Donc les gens qui ne comprennent pas la mission de Yahusha. Jésus venait chercher tout ce qui a perdu dans la maison de mon père. Ce n'est pas tout le monde. Ou plusieurs. Plusieurs, c'est qui va venir. Qui me cherche vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi qui ne sont pas pour lui. Alléluia. So, catch the phrase there. He said, this is my blood, I shed it for many, not for all who. Pastor, Bishop, not for all. Anyone that teaches you that way does not know Bible. It is not for all. It's for many. That is it. Many said, I come for the lordship of my father's house, not for all. So, those that will come, I will open door for them. If they come sincerely, I will use my blood to wipe their tears away. And I will buy them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Not for all, it's a purple tool. There's people, they are human beings, but they are already assigned for hellfire. So that's why, watch very well where you are, where you are going, or the church you are going. It's not every church, it's the church of Yahusha. Donc là, que tu dois faire très attention. Vérifiez bien les gens que tu es associé avec, l'église que tu vas, et le pasteur que tu es associé avec. Ce n'est pas tout le pasteur qui est de Yahusha. Ce n'est pas aussi toute l'église qui est au Yahusha. Il a dit pour plusieurs. Plusieurs, là, c'est tout ce qui a venu les chercher sincèrement. Il va ouvrir la porte. Il va lâcher son sang pour les racheter. Alléluia. Allez-y. Pour la rémission des péchés. C'est pour la rémission des péchés. It is for our redemption. Lord of Yahusha. Redemption of our sin. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit. Voilà. Je vais vous mener à attendre mon paradis. Tout ce qui va triompher, qui va vaincre, il va me trouver là-bas. C'est là-bas maintenant que nous tous, je vais faire ça encore avec vous. Alléluia. Amen. I'm not going to drink it again with you people here. Now I have shown you what you have to be doing. Then I'm going. I wait for you there. Anyone that are victorious, me and him will be there to take it again. That's how that they will celebrate it. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. Okay. Dans le royaume de mon père. Ah bah yeah, merci. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques. Ils ont même chanté les cantiques. Ah bon? Oui. Donc le cantique que les gens le chantent là, c'est pas les gens, Yeshua aussi il a chanté le cantique.
Peut-être c'est lui qui est le leader des choristes de cette église. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand on vous dit chantez, 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 tu fermes ta bouche là-bas. Hein? Yahushua, il a chanté aussi le cantique. Alléluia. Amen. See, that's why when we tell you to sing, sing, sing for the Lord. Don't tie your mouth. Sing for the Lord. You see, Pastor said they now sing hymns and sing songs. So Yeshua also sing. Papa is singing. Maybe he's the leader of Chorus Agape. Hallelujah. Amen. May the Lord be glorified. Yeah, I just get very proud about our call. Okay, he had set you free. Say, bring the love free. The free. Hallelujah. Amen. Tu n'es pas méchant, ça donne ta vie. Oui, c'est vrai. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Ok, Abaya, merci. Fruit de la vigne. Alléluia. You see it? Et les autres qui vont dire, Yeshua, il a bu. Ah, comment il va nous dire, on ne doit pas boire alcool, on ne doit pas boire de vin. Mais Jésus, il a bu le vin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent toutes les choses bêtises comme ça. La personne va détruire lui-même. Tu as de détruire toi-même. I've seen some people who say, ah, Yeshua, how can they say we should not drink alcohol? Alcohol is not a bad thing. Why would they say we should not drink wine? Drink this thing. After all, Jesus drink wine now. He drink wine. He drink wine. When he was doing this thing, why he drink now? And when you try to tell him, he will tell you that, how do you also know that it's not alcohol or this thing? Are you dear? Help. May God help people. Et quand tu essaies de leur expliquer, il va te demander que comment tu vas dire que ça que je suis là, bu cette chose, il n'y a pas d'alcool qui donne. Tu es là-bas. Hein? Dis-moi, pasteur, tu es là-bas. Et tu n'es pas là-bas, moi aussi je ne suis pas là-bas. Et ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, comment tu dis que ce n'est pas d'alcool? Tu as vu les gens. Satan lui donne déjà l'intelligence pour discuter toujours de bêtises. You see, Satan give people demonic intelligence to argue nonsensical nonsense. May the Lord have mercy. Okay, can we have pity? Amen. Hallelujah. Amen. Can we soit glorifié? Amen. Maintenant, on va lever cette vigne sur notre Père. On va prier. On va appeler Yahushua Hamashiach. Il dit que c'est son sang. Papa, viens transformer cette vigne. Que cette vigne devienne ton sang. Sang de rédemption, sang de guérison, sang qui va provoquer le baptême de feu sur notre vie. Comme on va boire maintenant, papa, que notre vie soit transformée. Que notre vie devienne le feu et amène à partir d'aujourd'hui le bon odeur, le bon parfum à toi. Papa, descend. La Bible vous dit, dans le livre de Lévitique 17, il dit, vous ne savez pas qu'il y a la vie dans le sang, que notre vie soit sécurisée à travers ton sang qu'on va boire maintenant au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. The Bible says, don't you know that in Leviticus chapter 17, it says, don't you know that there is life in the blood? Papa, I pray that as you are going to drink your blood now, let our life be secured in your blood, in the mighty name of Yahushua Hamashiach. Amen. Against every trouble that is coming in this world, against every war, against Babylon, against every satanic strategy to eliminate people, let our life be secured in you, in the name of Yahushua Hamashiach. Amen. Contre la guerre mondiale qui a été venue là, contre les stratégies de Satan pour éliminer, pour réduire la population, pour tuer les gens, papa, je déclare que notre vie soit sécurisée par ton sang. On va boire maintenant au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. Merci Abaya, merci Adonai. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. Holy Spirit, have your way, oh yeah. In our life, have your way. Let the Spirit plant a place. Plant a place, oh yeah. Holy Spirit, have your way. Plant a place, oh yeah.
Abaya, merci pour ta présence. Viens prendre charge, viens glorifier ton nom. Papa, comme on va maintenant passer ce temps et prendre cette repas qui est ta chair et ton sang, et sanctifier tout par le sang de Yahusha Hamashiach. Comme on va boire, papa, le but de cette délivrance, c'est pour recevoir, pour nous bouger et pour nous baptiser par ton feu. Que notre vie soit changée et transformée. Que notre connaissance sous ton Écriture et sous tout ce qui part dans le monde là et sous ton royaume, que tout soit transformé. Viens descendre. Touche chacun de nous. Même les enfants et tout qui sont aussi en jeûne. Abaya, localise-les. Amen. Localise-les. Amen. Tu as dit la dernière jour. Nos enfants aussi, il va prophétiser. Il va faire le rêve et voir la vision. Donne-leur aussi cette don que tu leur as promis. Amen. Au nom puissant de Yahusha Hamashiach. Amen. Merci Abaya. Amen. Merci Adonai. Amen. Viens prendre. Thank you. Let us begin. Let us come. Take your own and go back to your seat and go and pray. Prends, retourne dans ta place, aller prier. Mais la seule chose que tu m'as demandé hier, baptême de feu. Baptise-moi par ton feu, Abaya. J'ai besoin de ton feu, Abaya. Celui qui n'est pas le feu du Saint-Esprit, sa vie c'est vide. Bien-aimé. Sa vie c'est vide. As you go back to your seat, pray, ask Elohim, baptize me with fire. Anyone that is not with the fire of the Holy Spirit, his life is empty. Ikabo life. La personne vit la vie de Ikabo. Ikabo, c'est la vie sans l'esprit de Yahoua. Il va à l'église, il parle la langue, et la langue là, c'est l'esprit étranger qu'il a dit, il ne sait pas. La vie, sa vie se vide complètement. Il manque la puissance, il manque l'autorité. Vraiment, ce n'est pas une bonne vie. Priez. Papa Dieu, ta chair et ton sang dans ma main. Quand je vais boire, que ton feu descende sur moi. Change ma vie, transforme ma vie. Saint-Esprit. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha Hamashiach. Thank you, Abaya. Sing there. Le sang de Yahusha Hamashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha.
Saint-Esprit, baptise-moi, oh. Acte chapitre 1. Lis-moi à partir de verse 4. Acte chapitre 4, read for me from verse 1. Acte 4 from verse. Acte 1 from verse 4. Acte 1 à partir de verse 4. Acte chapitre 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai donné, leur dit-il. Alléluia. Verset 5. Allez-y. Attends. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. Which he have been teaching us. He have been giving us the detail about it. Hallelujah. Qui signifie? Tout ça qu'il nous a dit de recevoir depuis le livre de John et tout, il a dit de nous donner la détail de cette promesse. Attendez-vous. Papa, pourquoi tu nous as dit d'attendre? Rabbi, pourquoi tu nous as dit d'attendre? On a déjà. Attendez-vous pour ne pas être pressé. Dieu m'a appelé. Tu as quelle espérance? Attends-toi. Dieu m'a dit ne travaille pas avec n'importe personne. Ça, c'est le mensonge. Je te dis. Quelqu'un, il vient. Il dit, Dieu, il est appelé. Il a dit ne travaille pas avec quelqu'un. C'est un menteur. Bon, il dépend aussi de ton ministère. Bien aimé, l'expérience que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé avec beaucoup de ministères. Et je remercie Dieu. C'est pour ça que je vous dis, un pasteur qui n'est pas passé à travers des prières guéries pour devenir pasteur. Sa vie, c'est assis là-bas. Il ne peut pas. Quand tu passes par le temps que tu as passé avec le pasteur et passé par prière guérie, le temps-là, c'est ta préparation. Tu as envie de voir les choses. Et tu as envie d'apprendre aussi. Quand tu vas maintenant aller dans ton ministère, toute l'expérience que tu as déjà accumulé partout, quand tu vas rassembler tout, celui qui vient là-bas va savoir que là c'est très chaud. La Bible vous dit, respecte un homme d'expérience. Alléluia. Amen. Quand tu as beaucoup d'expérience, c'est une grande chose. C'est spécial dans cet chemin que nous sommes là. Alléluia. Amen. It is very important. You see, that's why. So when I see these people that say, God calling me. He said, I should not work for anybody. I should go and open my own ministry. I go and open up my own ministry. And when I look at them, when they see, you see what they do, rubbish. They don't know the word of Yah. They don't have knowledge of Yah. And they don't even know what it's all about this scripture. They don't even know how to apply scripture. They continue to do nonsense because of pride, because of evil spirit. Yah said here, wait. You see, wait here. He said, after you have given them all the teachings. You see, they have been waiting, following Abba Yah to get knowledge. It is all the time of process. Tu as vu, Yah il a dit,
Concernant tout ça que je vous le détail, je vous ai déjà renseigné depuis, vous êtes en train de me suivre. Donc, c'est comme ça, la vie de chacun de nous, Dieu m'appelait, il y a le temps que tu dois passer ta procédure. Tu as été déçu, le Saint-Esprit. Tu as été déçu, il y a, en train de conduire ton tout l'expérience. Tu continues d'apprendre. Jusqu'à l'heure, il va arriver, maintenant, il va te dire, attends ici. Attends-moi. Avant que tu vas aller commencer ta ministère, n'importe quoi, attends-moi. Il y a dernière chose. Alléluia. Before you now go to your ministry, yeah, now will say, wait for me here. That is lasting. And what is that lasting? Empowerment. Et qu'est-ce que cette dernière chose? La puissance. Allez-y, on va voir. Attends ici. Verset 5. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous l'avez vu, non? Alléluia. Amen. You see what he told them now in verse 5? Wait for me here. For John truly baptized with water. But you, you shall be baptized with the Holy Spirit. Not many days. It will land. Not in many days. It will land. So wait. Hallelujah. God is calling me. Have you been baptized with the Holy Spirit? That's where you are. That's why they are all doing nonsense. Dieu m'a appelé. Est-ce que tu as déjà baptisé par le Saint-Esprit? C'est le baptême d'eau que tu avais. Que tu as fait de crier partout que Dieu m'a appelé. Il t'a dit, attends. Ce n'est pas ça qui va te donner la puissance. Il y a le baptême que moi-même, je vais, c'est moi qui vais faire ça. Attends. Alléluia. Amen. There is baptism that I myself will do that will make you to get power. It is not that water baptism. Mr. Man, Mr. Woman. Wait. Alléluia. Amen. Allez-y. Go on. Verset 6. Attends. Verse 5. He said, for John, truly baptized with the water, but you shall be... Okay, allez-y. Verse 6. Alors que les apôtres étaient réunis... When they, therefore, were come together. Ils sont réunis. Ils lui demandèrent. They asked of him, saying... Elohim, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Alléluia. Regardez. Ça, c'est auto-étude. Ça signifie que... Les gens, les disciples là, les Hébreux, Israël là, ils savent qu'ils connaissent la prophétie de Moïse. Deutéronome 4. Quand vous serez dispersé, quand vous allez faire les bêtises que Dieu va vous disperser, il va envoyer encore un de vos frères, quelqu'un qui va sortir dans votre lion. Votre frère, que Mary, il n'est pas parti aller chercher dehors. C'est nous aussi, Hébreux, Israélites, que Yah aussi va passer par nous pour faire amener la personne qui va nous délivrer, qui va nous faire sortir de cet esclavage qu'il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que les apôtres, ils connaissent tout cette écriture. Donc, maintenant, ils sont en train de demander à Baya. Ils pensent que là, il est déjà arrivé que Yah va restaurer. Rappelle que le temps que Yahusha est venu, il n'y a que deux tribus qui restent. Judas et Benjamin dans notre terre. Le 10 est déjà dispersé avant l'arrivée de Yahusha. Donc, il sait que nous sommes dans la... Nous sommes dispersés partout. Après, c'est pour cela que quand Jacques, il a écrit son épistule, il a salué tout lieu, il est dispersé partout le quatre points du monde. Pierre aussi,
la même chose aussi. Salutations et tout. Et Israélites dispersés dans les quatre coins de eux. Donc, les apôtres servent. Donc, on leur posait la question maintenant parce que, comme il a ressuscité, ils ont pensé qu'ils sont. Ils ont croit que, ah, la puissance a béni. C'est la restauration de notre royaume est déjà arrivée. Notre papa est déjà ressuscité. Mais Yahusha, il a de les faire comprendre que ce n'est pas encore l'aile. Alléluia. C'est pas encore l'aile. Understand this in English. You see, this question they ask here in verse 6. They thought that it is a time for the kingdom of Yesharai that is scattered all over the four corners of the earth to regather us back and restore us. So, for all of you that is saying rapture, rapture, I have a teaching. I am going to bring out, I am still asking Elohim to clear it, and is clearing it. Rapture or second Exodus. It is second Exodus, the regathering of the children of Yah that Yahusha will do, that they are calling rapture. The second regathering. The first happened during the time of Moses. And Moses also prophesied it, that this one, it is Yahusha that will do it. It is not any man. And that's all that's spoken in the Bible. It's Yahusha that will regather his children and took us to our promised land. When I will take that topic, I'm still arranging it and asking Yah, and he's giving me revelation every day concerning it. Hallelujah. Babylonian theology deceives us. And I have mentioned the name of the man who started this teaching, I think 18th century, or is it 17th century? He's an American Britico man that started it. And that's what everybody is saying to today. Rapture, rapture, rapture. Regathering of the people of Yah. The apostles here see it here. They are talking it here. The restoration of the kingdom of Yesharai, Israel, Hebrew Israelite. This is it here. The apostles demanded, say, come, your message, can you not prepare? Le titre de cette message, c'est « Allèvement ou deuxième exode ». C'est deuxième exode, la récupération des peuples de Yah pour nous amener dans notre terre qui est Jardin d'Éden. Mais ce n'est pas n'importe qui va rentrer là-bas aussi. Rappelle, il a dit dans Ézéchiel 20, il va nous bouger dans la route avec le bâton. Tous ceux qui sont rebelles, il va les tous éliminer dans la route. Il a dit ça. C'est pas tout ce qui va rentrer là-bas. C'est tous les gens qui sont saints. So, remember also in that regarding, when you'll be taking us to our promised land, which is that garden of Eden, it's going to be purified, sanctified. It's not everyone that says it's Hebrew Israel that will enter that place. Go and read Ezekiel 20. He said there will be a rod. He was going to purify us on the way that we are going there on the way. He said every rebellion children will never enter there. That means every sinner, no sinner. But he said he will bring us out from this Babylon. But on the way, he will purify us. So the rebel ones, we said they will all die. And he did it before. In the first Exodus, Jordan, he did it. Il a fait ça aussi avant. Dans le premier voyage de Exode, il a fait ça. Tous les rebelles, il a fait quoi? Il a tous éliminé. Alléluia. Il a dit, vous ne rentrez pas dans cette terre promise. Même Moïse, il dit Moïse. Il a fait démontrer sur le montant. Regarde, ouais, Moïse, là, qu'est-ce que tu as vu? Ah, papa, je vois un endroit là-bas, c'est très bon, hein? C'est là-bas que c'est cette terre promesse. Mais de Moïse, tu ne rentrerais pas là-bas. Ah, papa, pourquoi?
tu m'as offensé. Ah, papa, pardon, non. Ma parole, c'est ma parole. Quand je dis non, si je dis celui qui a péché va mourir, c'est fini. Prépare ta poste pour Joshua. Ok? Oui, ce n'est pas à discuter. C'est que quand papa il a déjà dit, il a dit. Mais papa, c'est tes enfants qui m'ont fait des péchés contre toi. Je m'en fous de ça. Je ne juge pas comme ça. Je ne juge pas comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas le temps pour dire, c'est mon mari qui m'a fait ça. Il ne juge pas comme ça. C'est mes enfants qui m'ont fait. Il ne juge pas comme ça. Les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas celui que Yah est. You know, people doesn't know who Yah is. Moses, come up to this mountain. Yeah, look, direction, this direction. Moses, look. Ah, Papa, I see. What did you see? I see a very beautiful place. Okay, that is the land I take my people to. That's the land we have been coming all this while. Ah, thank you, Papa. Thank you, Papa. Finally, said, no, Moses, don't say finally, but you will not enter. Hey, Papa, what did I do? You disobeyed me. You are a rebel. You rebel against my commandment. Papa, what? I asked you to hit that rock once. You hit it three times. Don't know that rock is me, so you beat me. Ah, Papa, but it's your people. Yeah, you know, I'm not that kind of judge. My own judgment, I don't look who asked you to do it. I judge you personally because it is you that took that action, even though they tell you you're supposed to have rejected. I give everybody free will to decide. If somebody push you to do something, you have the right to say, no, I don't want to do it. So for that reason, see it with your eyes. You enter it, no. Call Joshua. Prepare Joshua to take your place. Okay, Papa, because your word is final. I have nothing to say. Okay, now. Thank you. So, this is the issue. When I will take that, I will also, when we will speak it. So, the kingdom, the gathering of the children of Yah has been, it's in the Bible. It's not rapture. But when I go to it, that's another topic. Yah is going to assemble his children and take them out of this wicked world into a place he has prepared for us. Yes. Yah, il va rassembler son peuple. Il va les faire sortir dans cet mauvais monde. Et aller dans un endroit qu'il a déjà préparé pour nous. Mais le Babylone, avec cette mission, j'ai déjà dit ça dans cette église, 1800 ou 1700, c'est un Américain avec l'Angleterre, il a commencé cet évangile, mauvaise vision, c'est ça que les gens parlent jusqu'à aujourd'hui, et enlèvement. C'est cette mission qui a venu avec révélation satanique. Que tous les pasteurs sont en train de prêcher là, au lieu d'aller étudier la Bible bien. Mais gloire à Yah. Ça que Yah a été défait maintenant. C'est cet endroit qu'il a parti préparer. Alléluia. Pour nous. Rappelle après le péché de Adam et Ève. Qu'est-ce que la Bible dit? Il amène son sécurité sous cette jardin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avoir rentré dedans. Il y a la sécurité de Yah. Alléluia. Il y a que Yahusha. Et avec le Saint. Qui sont là-bas. Les saints qui sont déjà partis, qui sont là-bas. N'importe qui ne rentre pas là-bas. Alléluia. Now, that place is secured by Yahusha. After the sin of Adam and Eve, he drive there. The Bible said he placed his warrior angel to guide that place. Till now. The gate will only be opened when he'll be bringing us back. When he'll remove us from this wicked world. And that time is the same time destroying this world. Because there's going to be a cleanup in this world. Hallelujah. For him to install us
back. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Amen. C'est notre enseignement. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de demander ainsi. Les apôtres savent que the apostles know that there is we scattered all over the world. When Yeshua came, there is two tribes only that remain in that land. Benjamin tribe, Judah tribe. The 10 other tribes have been scattered. So, these two tribes are the ones that are working with Yahusha. And remember, Yahusha also came from the tribe of Judah. So these are the two tribes. And this tribe occupy only Jerusalem. Jerusalem. Let me call it Jerusalem. And that Jerusalem also have meaning. Alleluia. Cette ville s'appelle Jerusalem. Jerusalem aussi, il a sa significance. J'ai déjà touché cette Jérusalem aussi, cette message aussi, ainsi. Alléluia. Donc, they are asking Yah here now. But what did Yah respond to them? Mais qu'est-ce qu'elle a répondu à Yah? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé à sa propre autorité. Alléluia. You see it? It is not for you people. So that's some of the secrets that Yahushua said, I have many things to tell you, but don't worry. I will go. Holy Spirit will continue to drop it one by one. He will come and be dropping it one by one to you. C'est parmi des choses que Yah, il a répondu dans Jean 14 et Jean 16 que j'ai plein de choses à vous dire. Mais ce n'est pas maintenant. Ils sont trop lourds. Mais je dois partir. Et le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire quand il vient? Il commence de vous laisser révélation un par un. Un par un. Comment en train d'approcher le temps, il nous laisse un par un jusqu'à tout ça va accompli. Alléluia. Alléluia. Donc, eux, ils voulaient connaître ça vite, vite. Ils disent non. Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas en désordre, ok? Tout chose est programmée, ok? Alléluia. Okay. Mais ce qui est important, c'est pour eux, le 8. Mais what is important, il said, he don't want to give you everything. No. Go. As you tell Daniel. Daniel, go your way. C'est la même, comme il a dit Daniel aussi. Daniel, va toi, non. Va toi, Daniel, tu voulais connaître tout ça. Non. Le royaume de Dieu, c'est un ordre. Hein? Tu veux que je te donne tout, Daniel, qui te dit, va moi. Va toi, va dormir. Alléluia. Ça que je te révèle là, ça suffit. Ça suffit. Le reste, c'est dans la foutue. Alléluia. C'est la même chose aussi qu'il a dit les gens. Ah, va vous là-bas. Vous voulez connaître quoi? Alléluia. Et le 8 maintenant. Vous recevrez une puissance. Oui, ça que vous qui est important pour moi, pour vous, hein? Recevrez une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. C'est la puissance que vous doit vous besoin. Lorsque le Saint-Esprit. C'est la puissance que toi et moi besoin. Et cette puissance vient de où? Le Saint-Esprit. He now responds in verse 8 that what is important for you and me now is to get the Holy Spirit. When this Holy Spirit will come upon you to get power, that power will only come into me and you by the Holy Spirit. Hallelujah. Cette puissance, ce qui est important pour moi maintenant, pour toi et moi, c'est pour recevoir la puissance. Et cette puissance vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Allez-y. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Uh-huh. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Ce qu'il dit donc, c'est Saint-Esprit, il nous donne la puissance. Alléluia.
What is there is that the most important thing, Holy Spirit give us power. That's power. You need power. You need authority. The plus important, it does say, toi et moi besoin la puissance, l'autorité dans le rêve, dans ta vision physique et spirituelle. Tu besoin la puissance. Alléluia. Amen. You need power. I could remember, je rappelle en Espagne. Jésus donne une vision dans notre église. Un groupe de prières guéris et tout. Jésus, quelque part, c'est comme. Je voulais rentrer. C'était comme un supermarché où ça, je voulais rentrer. Dieu vit tous les groupes de prières guéris. Ils sont en train de courir, 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 courir. Quand je tourne, je les regarde. Je vois. Le petit petit démon là en train de les poursuivre. Le petit petit démon en train de les poursuivre. Quand ils sont arrivés, ils sont, quand ils m'ont vu, ils ont commencé de crier. Ministère, aide-nous, aide-nous. Quand je les demandais, pourquoi vous avez qui vous avez poursuivre? Tout le monde en train de me regarder, en train de faire comme ça. Quand je rappelle ça, je rêve. Ils sont allés me montrer le démon. Ils sont cool comme ça. Je l'ai déjà vu. Immédiate. Je dis le prière guérira. Il vient derrière moi. Je descends sous le démon là. C'est un coup comme ça que Dieu a été donné. Boum! La façon que cette coup, il est prendre comme ça, il les jette loin. Tu vas attendre. Oui! L'autre aussi bien. Boum! C'est comme ça que j'ai tout. J'ai fini tout. Et tous les frères là, ils ont commencé à remercier Dieu. Remercier Dieu. Dieu m'a arrivé. Il dit, ah, Yahusha. Merci. Merci. Comment du monde va nous menacer comme ça dans cette église? Que ton nom soit glorifié. Alléluia. I remember that dream in Spain. Ah, it's like I was in a supermarket. And suddenly I saw brethren, the prayer warrior, the group of prayer warrior, they were running. And they are running towards me. I saw these short demons pursuing them. As they run to get to where I am, they say, ah, they have been looking for me. Hey, the way they are breathing. I say, what is the problem? What is the problem? They were just hiding their finger, pointing at their back, showing me the demons, pursuing them. And I look at the demons. I have seen the demons where they are pursuing them before. So I just tell the brothers, give them sign. Also, they go, they just easily, gently go at my back. Now I face those demons. I just giving them one blow. If I land one blow on them, anyone that received that blow, the blow will just throw the. In fact, you will just hear. I took another one. That's I beat all of them away. The climate was free, and all these brothers, everybody, the sisters. I know all of them. I saw all of them. They begin to celebrate. Begin to thank me. I say, thank Elohim. We begin to celebrate. Then I wake up. Hallelujah. My dear brethren, we need power. That is it here. Mes frères et sœurs ont besoin de la puissance. C'est ça que Yahweh a dit ici. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, il te donne la puissance. Dans le rêve physique et spirituel, tout en toi, même financement, et tout en toi, tu vas dominer. Alléluia. C'est l'autorité de domination. Il va élever contre toi, mais il va tous postenir. Alléluia. Amen. Maintenant, on va terminer notre prière. Lève-nous. Holy Spirit, have your way, oh, have your
Way, oh yeah, in my life I have your way, oh. Holy Spirit, you baptize me, oh, baptize me, oh yeah, with your fire, baptize me, oh. Holy Spirit, you baptize me, oh, baptize me, oh. De Jesse, il a dit, il a eu son famille. Alléluia. Amen. Depuis qu'il a de faire cette affaire, je pense que c'est cette mercredi qu'il a venu me demander la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne lis pas. Il n'y a pas de problème, c'est sa affaire, j'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Et Yahusha Eléa. Je n'ai pas même, j'ai même oublié, c'est ma femme qui m'a rappelé aussi pour. Il y a notre soeur aussi qui était dans notre église là. Son fils aussi, c'est comme ça qu'il a été raté. Le jour qu'il a dit aussi, il a venu dans cette église aussi. Il m'a dit. J'ai prié pour lui et lui dit d'aller. Il a parti aussi. Pam. Ça qu'il a venu me dire aussi que le pasteur dit, oh ma, je n'ai pas raté cette fois. Alléluia. Amen. C'est Yah. Quand tu vois Yah dans cette église, qu'il est petit, il va te prendre aussi que tu es petit. Mais quand tu le vois qu'il est très fort dans cette église, il va te montrer que je suis fort. Alléluia. Il dit, appliquez-moi dans tout ton chemin. Je vais te montrer que je suis Elohim. Alléluia. Amen. Je remercie Yah pour sa vie. Alors, des fois, on ne sait pas que la plupart des choses qu'on a vu d'échouer, c'est le démon qui a assis ça. Des fois, tu pries. Mais des fois, Yah aussi, il veut que le sacrificateur, mon sacrificateur que je mets là-bas, je veux qu'il déclare, il dit un mot sur cette affaire. Parce que c'est mon représentatif, c'est moi qui l'amène là-bas. Alléluia. Amen. Et tu vas voir, quand il va dire ça, tu vas voir la puissance de Yah. Cet démon qui a l'habitude d'aller avant toi, aller assis là-bas, dit jamais. Il ne veut pas avoir ça. Quand cet mot il va sortir par la voix de Yah, quand ce démon voulait aller, il va rencontrer un ange de Yah qui va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi ici? Quitte là. C'est ça qu'on ne connaît pas. Je vous dis, donnez un témoignage, j'ai dit, je voulais aller en Suisse. Moi, avec le pasteur, on a déjà prié. Et moi aussi, j'ai prié pour moi-même. Le pasteur, il m'a déjà donné le message. Mais moi, je ne vais pas écouter ça. J'ai déjà prié. Mais quand j'ai vu le rêve, Yah, il est très miséricorde. Je voulais aller demain. Yah m'a donné le rêve aujourd'hui.
Le billet que je dois aller acheter le matin, je ne peux pas aller. C'est pour ça que tu dois connaître ton rêve. Immédiat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné vers le pasteur. Oh, pasteur. Oui. Nom de Dieu. Hey, j'ai vu un rêve. Il est quoi? La police m'a arrêté dans la frontière pour entrer en Suisse. Il était dit ça, non? Grâce à Dieu que c'est toi qui as vu cette rêve. C'est moi qui ai fait ça, tu t'appelles. Tu vas dire, ah, bonjour, c'est ça, c'est ça. Il m'a demandé, on va faire quoi maintenant? Il dit, pasteur, tu vas aller, on va prier. Il dit, ok. La main de Dieu n'est pas dedans, mais tu dis, tu vas aller, il va te laisser, il n'y a pas de problème. Entre trois jours de jeûne et prière. J'ai fait trois jours de jeûne et prière, fini. Quand j'ai fini, je n'ai pas fini aussi, allez. Quand j'ai fini, je retourne vers pasteur. Pasteur, j'ai déjà fini. Il a déjà fini, il a prié pour moi. Va, personne ne veut pas t'arrêter. Et c'est comme ça. Je te dis, le voyage que je n'ai jamais vu, on a commencé jusqu'à rentrer, jusqu'à descendre, où que Dieu descendait, à Zurich. Il n'y a pas contrôle. On est arrivé à la frontière, il n'y a pas immigration. Il n'y a rien. La porte s'est ouverte. C'est lui qui a dit de nous conduire, mais il a dit, ça n'est jamais arrivé. Hein. Toutes les migrations qu'ils ont là, ils ont où? Moi, dans mon cœur, j'ai dit, c'est Dieu qui l'a chassé. Jusqu'à même là où il est aussi, il a pensé qu'après là-bas, on va voir la police qui va nous contrôler. Là-bas, on est arrivé là-bas aussi. Là-bas, c'est ouvert, il n'y a pas la police. Jusqu'à j'ai arrivé à Zurich. Zurich, viens voir la police parce que Zurich, c'est le centre international de tout arriver de la police. Il y a police et tout, immigration et tout. Il t'a dit, arrivé là-bas aussi, là-bas c'est sèche. Mon ami, il a venu me chercher. Avant qu'il vienne, il dit là-bas, ah, Zurich, il m'a dit sortir là, passer là, parce que après, je lui ai dit, je ne connais pas tout ça que je viens d'arriver ici, là, tout l'endroit que tu m'as dit, viens, il n'y a pas de problème, viens. Lui aussi, quand il a venu, il n'y a rien, tout. Ah. Il a dit, qu'est-ce qui a été passé? Il dit, vraiment. Tu as beaucoup de chance, hein? Je dis, oh. Allez-y chez toi, allez. Que Yah soit glorifié. Amen. Quand tu remets quelque chose dans la main de Yah, tu vas voir la puissance de Yah. Yah ne veut pas, il ne veut pas mettre lui-même dans la disgrâce. Et spécialement dans l'église de la vérité, Yah va manifester sa puissance. Alléluia. Que lui soit glorifié. Je vous dis, dans ma vie et depuis que je suis dans le ministère et tout, même si ta vie s'est bloquée, si c'est bloqué, ça ne va pas. Viens raconter Yahusha dans ma vie. Tu vas voir. Quand tu vas commencer à obéir la parole de Yah, marcher avec Elohim, que je sache là, tu vas voir comment il va commencer de crier la route où il n'y a pas la route, crier le chemin où il n'y a pas le chemin. Avant que tu connaisses ça, quand tu es passé, tout ton bagage. Tout le bagage que le monde là, que Satan il a mis dans ta tête, tu vas voir comment Yah va dégager tout. Tu vas vivre maintenant dans la paix. Les gens vont commencer à être jaloux de toi. Comment tu as fait ça? C'est pour ça que mon Yahusha il est. Je connais ça depuis l'enfant. Et regardez, quand je suis un enfant, nos ancêtres, quand ils voulaient aller au marché, parce qu'ils vendent dans le marché. Même mon maman avant. Il connaît les enfants qui ont le don de faveur. Quand ils sont préparés, finis le matin avant de partir, il va venir voir son enfant là, il va lui dire que je l'ai béni. C'est moi qui suis en train de venir voir dans la famille. Il va ouvrir sa main, il va dire que j'ai. Il fait comme ça. Il va me dire de faire comme ça. Je vais faire ça sous l'aile, mais il va faire comme ça. Il va partir. Quand il va arriver, il va retourner le soir. Il va m'acheter beaucoup de choses. Il va me donner quelque chose de manger.
Il va me donner beaucoup. Les autres vont commencer à dire, ah, pourquoi tu vas lui donner toutes les choses là? Pourquoi tu vas lui donner toutes les choses là? Il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. C'est la faveur de Yah. Il y a des choses, quand Yah appelle quelqu'un, il va mettre quelque chose dans ta vie qui va toujours te faire devenir différent. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans ma vie, je n'ai jamais cru que ça c'est impossible. Attends que c'est correct, chose, c'est... on m'a dit que c'est impossible. Je dis non. Si c'est impossible, je mets mon pied dedans, sera possible. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans mon ministère, je n'aime pas quand quelqu'un vient avec le problème, ah, ça continue, ça me dérange et je n'ai pas content avec Abaya. Et il va me dire pourquoi. Et quand tu connais Yahshua HaMashiach, tu marches avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va aussi transformer ta vie. Tu seras béni et devenir bénédiction pour les autres. C'est comme ça. Yah, il est. Alléluia. That's how Yah is. That's how my life is. Right from childhood. Especially now that I come to know him. He has activated that power of favor. If your life is so blocked and nothing is moving, come to my ministry, come. Just believe the word of Yah, walk in the way of Yah, and walk in holiness and righteousness. Every baggage the enemy has placed upon you, every luggage, you will see how Yah will throw them away. Gradually, it will clear off. Alléluia. C'est comme ça, mon Yah, il est. Tu es le depth. Laisse. Sous seulement la parole de Yah, marcher dans la parole de Yah, sous ça que je te dis, tu vas voir comment tout. Ça va te surprendre. Je connais Yah que je savais. Je connais Yah. C'est pour cela que quand quelqu'un voulait quitter dans mon église, attends que je ne t'influence pas, il n'y a rien. Parti. Va aller goûter. Si tu voulais dire toi-même la vérité, tester, voir. Tu vas voir la différence. Moi, je vais voir qu'il n'y a pas l'offense. Même s'il y a l'offense, je vais t'essayer de régler ça. Tu ne veux pas. Ok, pas le problème. Mais tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Ça, c'est obligatoire. Parce que je connais celui que je suis. Je connais celui que je suis en Christ, Yeshua HaMashiach. Je n'ai jamais, il n'y a pas, même les amis et tout, même le temps que je suis à l'école et tout. Non. Si cette situation est difficile, je dis non. On va aller. Si c'est quelqu'un qu'on va parler, la personne, il est devenu très dur qu'il ne peut pas écouter. Et il dit la personne, viens. On va aller le voir. On va aller le voir. Tu vas voir, quand on va arriver là-bas, ça va comme que il y a une arrestation. Il y a une arrestation qui a passé avant qu'on arrive là-bas. S'il a refusé avant, s'il a en colère avant, quand on va arriver là-bas, tu vas calmer. La voix va changer. Alléluia. Amen. Je connais ça. C'est Yah. C'est le don que Yah est don. Chaque de son serviteur. Tout le monde l'a, il a appelé. Mais ça, c'est pour moi, je connais. Je sais. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Je priais. Levez-nous notre main. Thank you, Abaya. Thank you, Yahushua HaMashiach. Thank you, Abaya. Les enfants, ils sont en jaune, non? Give me your right hand. Thank you, Abaya. Please and ask fire of Holy Spirit to come upon me. Demandez, fais de ce que le Spirit descend sur moi. Closez sous ta tête. Place it upon your head. Fire of Holy Spirit come upon me. Holy Spirit fire come upon me. Thank you, Abaya. Holy Spirit fire come upon me. Holy Spirit fire, come upon me. Receive the fire, receive the fire. Receive the fire, receive the fire, reçois cette fée. Receive the fire, receive the fire, reçois cette fée. C'est le feu de Saint-Esprit, c'est la puissance des enfants de Yahushua HaMashiach. C'est ça qui nous fait être différents. Quand tu parles, ta parole, c'est comme ça.
Si tu as la difficulté quelque part, tu dis c'est fini, va, c'est bon. Va. La personne va arriver là-bas, tout ça que tu as dit, il va trouver ça comme ça. Abaya, que ton nom soit glorifié. Thank you, Abaya. I receive the fire of Holy Spirit upon my life. Fire of Holy Spirit upon my life. The power of the gospel of Yahusha. La puissance de l'évangile de Yahusha, c'est le Saint-Esprit. Prends charge, prends contrôle de ma vie. Mon langue, ma bouche et tout soit moins par le feu du Saint-Esprit. Papa, à partir d'aujourd'hui, que ma vie ne doit pas être vide encore. From today, my life will not be empty anymore. He said, inside me, outside me, Holy Spirit, fire, take control. Dans ma vie, à l'extérieur, fais le Saint-Esprit, prends control. Fais le Saint-Esprit, prends control. Fais le Saint-Esprit, prends control. Dans ma vie, à l'extérieur, fais le Saint-Esprit, prends control. Dans ma vie, à l'extérieur, fais le Saint-Esprit, prends control. Fais le Saint-Esprit, prends control. Fais le Saint-Esprit, prends control. Holy Spirit, fire, take control. Holy Spirit, fire, take control. Inside me and outside me. Holy Spirit, fire, take control. Inside me and outside me. Holy Spirit, fire, take control. Abaya, according to your word, in John 16, he said, it shall be inside us and outside us. Dans le livre de John says, il a dit, il sera à nous et autour de nous. Papa, à partir d'aujourd'hui, que notre vie soit remplie par ton esprit. À l'intérieur, à nous, à l'intérieur et extérieur. Abaya, que le feu descende. Que le feu du Saint-Esprit nous enveloppe. Enveloppe-nous, papa. Enveloppe-nous. Let the fire of the Holy Spirit envelope us in the name of Yahusha Amashiach. In the name of Yahusha Amashiach. In the name of Yahusha Amashiach. Let us, we shall carry authority. Amen. Tu dois, à partir de maintenant, porter l'autorité. Amen. Autorité de Yahusha Amashiach. Amen. Dans ton rêve, dans ta vision, n'importe où, tu dors, n'importe où, même s'ils sont essayés d'appeler ton nom dans l'aile couvonne, autorité de feu de Yahusha va apparaître là-bas au nom de Yahusha Amashiach. Thank you, Abaya. Amen. Anywhere, whether in their covenant, in their meeting, in the realm of spirit, where you are dreaming or you are sleeping or your vision, the authority in the name of Yahusha shall follow you. You shall carry it. Anywhere they mention your name, your authority will appear with the fire and consume them in the name of Yahusha Amashiach. Amen. Thank you, Abaya. Je prie pour vous, les enfants, à partir d'aujourd'hui, que Yah, l'autorité de feu de Yah, vous entourage. Dans votre école, n'importe où que vous êtes, les gens vont vous voir, les maîtresses et tout, tout ce qui fait un mauvais plan contre vous, va recevoir la chicotte de Saint-Esprit. Instantement. Amen. On a besoin de Yahusha Amashiach. Dans votre école, n'importe qui, Mamie Wata qui est là-bas, la sorcellerie qui est là-bas, les sirènes qui est là-bas, les occultes qui est là-bas, c'est lui qui a essayé pour vous faire mal. Là où il a dit de penser de ça, il va recevoir le giflet de Saint-Esprit au nom puissant de Yahusha Amashiach. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous va devenir flamme de feu. Amen. Dans votre alicor. Dans toute votre activité dans l'alicor. Amen. Et vous plongez dans le feu de Saint-Esprit. Amen. Au nom puissant de Yahusha Amashiach. Amen. Merci Abaya. Merci, notre Père. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci. De plonger notre vie, de plonger notre maison. Même ta maison doit devenir. C'est pour cela que ta maison ne doit pas être le lieu que tu fais les bêtises. Yah, il a dit dans le livre de Deutéronome, c'est Deutéronome 7 aussi, non? Verset 22
Oui, je passe. Il a dit, les choses abominables ne doivent pas se trouver dans ta maison. Alléluia. Amen. Donc, notre maison aussi doit rester toujours sanctifiée. Parce que Saint-Esprit aussi, il vient là-bas pour nous visiter. Amen. Alléluia. Amen. So that's why our house also must be sanctified. I think in Deuteronomy, is it Deuteronomy 7:22 or Deuteronomy something? He said, our house should also, he said, there should not be abominable things in our house. Our house should be a place that is sanctified, that the Holy Spirit comes and dwell with us. Wherever you are, Holy Spirit must dwell be with you there. Our house must be clean. No abominable things shall be found in our house. Les choses abominables ne doivent pas se trouver dans notre maison. Alléluia. Amen. Des prières que Abaya nous fait de continuer de connaître sa parole. Amen. Et vivre dans sa parole. Amen. Et pour maintenir le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as reçu ça, quand tu as ça maintenant, il demande la maintenance. Si tu ne maintenais pas le Saint-Esprit, il va dégager. Il va te laisser. Plus pas ils ont reçu ça, mais parce qu'il n'est pas sérieux, ils ont perdu ça aussi. Alléluia. Amen. Il demande la maintenance. C'est pour ça que tu dois être attention, comment tu parles, comment tu fais les choses, comment tu vives. Alléluia. Amen. On a le voiture, on a tout. On fait la maintenance, non? Ah. Même nous, on fait aussi la maintenance de notre vie. On mange, c'est la maintenance. Alléluia. Amen. Si tu ne manges pas, tu restes 3 jours. C'est pas jaune, non? C'est pas jaune. Jaune, c'est différent. Jaune, la personne spirituelle, de plus haut, il a rentré dans ta vie. C'est lui qui te garde. Mais tu as décidé, non, je ne fais pas jaune, je ne vais pas manger. 3 jours même, tu vas voir ça qui va arriver sur toi. Alléluia. Amen. So, that is it. I pray that the fire of Holy Spirit will take over our life. And the glory of the Lord will shine upon our life. Everything we pray for these 3 days, Elohim, will bring it to come to pass in the name of Yahusha Amashiach. Amen. Toutes choses qu'on a demandé depuis 3 jours là, il va manifester tout. Dans notre vie, au nom puissant de Yahusha Amashiach. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom puissant de Yahusha Amashiach, nous avons prié. Amen. Inside me. Aside me, Holy Spirit fire. Aside me, Holy Spirit fire.